Bonjour, on continue avec cette vidéo sur la section 15 des notes de cours sur les théories logiques. Pour rappel, la définition d'une théorie logique, c'est un ensemble de formules sur une signature du premier ordre avec deux conditions. Dans cet ensemble, toutes les formules sont closes, c'est-à-dire que pour toute formule phi appartenant à l'ensemble, l'ensemble des variables libres de la formule c'est l'ensemble vide. Et aussi, cet ensemble T doit être fermé par conséquence logique, c'est-à-dire que si je prends une formule psi close, qui est une conséquence logique de l'ensemble de formules T. Alors cette formule psi appartient à l'ensemble T. Alors on va voir maintenant des façons de construire des théories logiques. Et une façon de construire une théorie logique, c'est de construire la théorie d'une certaine structure. Une structure du premier ordre ou une interprétation du premier ordre, c'est la même chose. Donc pour la définition, on va prendre une interprétation sur nos signatures L. Une interprétation I, et on va définir la théorie de I, TH de I, c'est l'ensemble des formules closes telles que I est un modèle de la formule. Alors, c'est la théorie de I, et on va maintenant vérifier que c'est bien une théorie au sens de la définition ci-dessus. Donc, on doit vérifier les deux conditions. La première condition, c'est que toutes les formules de la théorie de I sont des formules closes. C'est marqué ici dans la définition, c'est un ensemble de formules closes, donc c'est bon. La deuxième condition, c'est que la théorie de I soit fermée par conséquence logique. Donc prenons une formule psi close qui soit une conséquence logique de cet ensemble de formules TH de I. Qu'est-ce que ça veut dire être une conséquence logique de cet ensemble de formules? Ça veut dire que pour toute interprétation I', si jamais I' est un modèle de chacune des formules de la théorie de I, alors I' est aussi un modèle de la formule psi. Maintenant, on peut remarquer que l'interprétation I en particulier, c'est une interprétation qui est un modèle de toutes les formules de cet ensemble théorie de I. Pourquoi? Parce que, par définition, toutes les formules phi dans cet ensemble ont I pour modèle. Donc ça veut dire que cette interprétation I satisfait la condition ici, et donc ça implique que I est un modèle de la formule psi. Maintenant, cette formule psi, c'est une formule close, et c'est une formule dont I est un modèle. Ça veut dire que psi est une formule qui appartient à la théorie de I. Pour revenir à la condition d'être fermée par conséquence logique, pour toute formule psi close, qui est une conséquence logique de la théorie de I, on a donc que psi appartient à la théorie de I. Ça montre bien que la théorie de I est fermée par conséquence logique. Voyons maintenant un exemple. On va prendre un exemple très simple pour commencer. On prend une signature dans laquelle il n'y a aucun symbole de fonction et deux symboles de relation d'arité zéro. Ça s'appelle des propositions. Et voici une interprétation pour cette signature. Dans le domaine, il y a juste un point, peu importe ce que c'est. Et cette interprétation va donner la valeur de vérité vraie, le 1, pour la proposition P, et la valeur de vérité 0 pour le faux, pour la proposition Q. Maintenant, voyons quelles sont des formules qui sont à l'intérieur de la théorie de I. Ça va être les formules satisfaites par l'interprétation I. Juste une petite remarque. Comme il n'y a aucun symbole de relation d'arité strictement supérieur à 0, en fait, toutes les formules sur cette signature, ce sont des formules closes par construction, et donc être satisfaite par avoir pour modèle i, c'est la même chose, et toutes les formules sont closes de toute façon. Donc voilà quelques exemples de formules. Ben déjà, puisque P est mise à vrai, P est bien satisfaite dans cette interprétation. De la même manière, comme Q est mise à faux, non Q est satisfaite dans l'interprétation. Et on peut les combiner par conjonction. Par exemple, la formule P et non Q est aussi satisfaite dans cette interprétation. Comme P est vrai, P ou Q est satisfaite. Comme Q est fausse, non P ou non Q est satisfaite. Ensuite, on peut écrire des choses un peu redondantes, comme P ou Q ou P, ou non non P, c'est aussi satisfait, et ainsi de suite. On peut même faire de la quantification si on veut. On a le droit de quantifier sur X. Et avoir une sous-formule ici en dessous qui n'utilise pas la variable x, c'est permis. Ça reste une formule close puisque toutes les variables sont bien liées. Il n'y a aucune variable libre ici. Et c'est une formule qui est vraie puisque p est vrai. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer qu'en fait, il y a une infinité de formules dans cet ensemble. Dans la théorie de I, même pour une théorie très simple comme celle-ci, il y a généralement une infinité de formules. D'autres exemples de théories, on peut revenir à la signature avec l'ordre strict ici, donc par exemple la théorie de l'ordre sur les antinaturels ou la théorie de l'ordre sur les antirelatifs, deux théories qu'on peut imaginer. D'autres exemples, ça pourrait être
des théories arithmétiques. Donc l'arithmétique linéaire sur les entiers, c'est juste on a le symbole de fonction d'addition, on a aussi l'égalité, hein, dans toutes ces signatures, et on travaille sur le domaine des antinaturels, où on peut aussi avoir l'arithmétique sur les antinaturels, où on a deux symboles de fonction plus et multiplié, un symbole de relation pour l'égalité, sur le domaine des antinaturels, et ainsi de suite. Plus généralement, au lieu de considérer juste une interprétation, on peut aussi construire la théorie d'une classe d'interprétation, donc un ensemble d'interprétations, grand K, je dirais plutôt une classe. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste une adaptation de la définition qui est au-dessus. C'est l'ensemble des formules closes, telles que pour toute interprétation dans ma classe, cette interprétation soit un modèle de ma formule phi. Et on appelle ça la théorie de la classe K. Voilà, on va voir dans une prochaine vidéo d'autres façons de construire des théories logiques.